Pourquoi nos forêts sont en danger, François-Xavier ? Alors, bon, le film démarre avec un forestier, hein, parce que tous les intervenants de ce film pratiquement sont des forestiers, des professionnels du bois, des gens de la filière bois. Et il dit, on a souvent en tête le problème de la déforestation, parce que voilà, on sait bien ce qui se passe dans les forêts tropicales. Et en France, ce qui se passe, c'est plutôt un problème de malforestation, c'est-à-dire quel type de forêt on est en train de mettre en place, et qui est une forêt effectivement qui est de plus en plus calquée sur le modèle agricole productiviste, avec de plus en plus de monoculture et des méthodes d'exploitation intensive tout à fait dommageables pour l'écologie. Vous commencez, c'est-à-dire que, monoculture, c'est-à-dire des pins, non ? La même culture, c'est ça, une essence. Alors, monospécifique, mais... c'est-à-dire avec effectivement une seule essence, un seul type d'arbre. Voilà. Moi, j'habite un pin parce que c'est un bois qui se vend bien, ou qui se travaille bien et qui n'est pas cher, ou quoi ? Alors, souvent, c'est parce que ça pousse assez vite. Hein, donc, moi, j'habite sur le plateau de Millevaches, dans le sud de la Creuse, et 9 arbres sur 10 qui sont plantés sont des Douglas, donc qui poussent très vite, et puis on les coupe à 40 ans, bien en deçà de leur seuil de maturité. Et vous décrivez ces forêts de Douglas justement bien alignées, impeccables, mais où il n'y a pas d'humus, il n'y a pas de mousse, et on n'entend pas beaucoup les oiseaux, il n'y a pas cette vie qu'on connaît dans les forêts, disons, classiques et multiples. Non, parce que c'est un silence absolument de cimetière, hein, quand on rentre dans ces forêts. D'ailleurs, on peut poser la question, est-ce qu'on peut appeler ça des forêts ? Ce sont des plantations, mais peut-être que M. Fetterman pourrait compléter, mais est-ce que effectivement des monocultures, ce sont vraiment des écosystèmes complexes comme doivent l'être une forêt ?